Hey, salut tout le monde, c'est Tech et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Galacticraft. Nous avons quand même pas mal de choses à construire dans cet épisode. Nous allons d'abord faire le tour de ce que j'ai fait en live la dernière fois, parce que je vous rappelle qu'il y a les lives Galacticraft le samedi de 18h jusqu'à ce qu'on meure, je sais pas trop. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à venir, surtout que maintenant on part sur Twitch. Donc voilà, mardi au samedi, il y a des lives à partir de 18h sur Twitch. Les liens sont dans la description, je compte sur vous les gars. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier live? On a déplacé la base, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. On a déplacé la base qui était par là-bas. On l'a déplacée ici, là où il y avait eu le crash de la fusée. Donc j'ai mis mes éoliennes ici, voilà, tac. On a une éolienne en plus. Tout ça, ça va là-dedans. Alors c'est pas fini, hein. La base n'est pas finie, mais je pense que je la terminerai pas parce que dans un épisode, à mon avis il y aura un épisode de plus ici, et ça sera l'épisode pour setup notre départ à fond, donc la fusée, etc. Donc je pense qu'on va pas rester plus de un épisode en plus de celui-là ici, pour le moment. Voilà, donc à l'intérieur, nous retrouvons quelque chose de magnifique. Non, en gros j'ai fait un truc tout basique pour le moment. Ici il y aura la fusée pour qu'on puisse se barrer vers la lune. Et là, nous avons quelques machines, métallurgique infuseur, osmium compresseur, métallurgique infuseur, enfin celle qu'on avait fait dans les dernières vidéos, de toute façon, dans la dernière vidéo. J'ai rangé un peu des affaires ici, un peu tout ce qu'on avait farmé, voilà. Et ensuite, on a le coin chambre pour le moment, chambre entre guillemets, avec mon lit ici et le petit Wally. Comment ça va, mon cher Wally? Comment vas-tu? Est-ce que ça va? T'es en train de recharger tranquillement? Hein, t'avais plus trop de batterie, du coup tu t'es mis à te recharger comme ça. C'est bien mon gars, c'est bien. Tiens d'ailleurs, alors le petit problème c'est que Wally, il est bloqué ici. Il sait pas monter les échelles. Donc il faudra que je lui fasse peut-être une petite trappe. Mais bon, comme je l'ai dit avant, vu que je compte pas rester très longtemps ici, ça sert à pas à grand chose que je consacre plus de temps à cette base. Mais on a quand même fait quelque chose de stylé. Enfin dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous la trouvez quand même pas mal? Elle est pas finie, mais... Ah, l'aigle il aime bien. Mais en tout cas, enfin, genre, moi j'aime bien. Ici il y aura la workbench, ici la fusée et ici le digital miner. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avec mon cher petit ami Wally, viens là. Nous allons travailler sur le digital miner qu'on avait commencé en live, mais je n'avais pas de diamants. Maintenant j'ai des diamants grandioses. Et nous allons travailler aussi sur la workbench, donc il va pouvoir nous permettre de faire la fusée. Voilà ce que nous allons faire dans cet épisode. Et dans le prochain, je pense que nous attaquerons donc du coup à la fusée. Plus au système d'oxygène, parce que bien sûr il nous faudra de l'oxygène, et comme ça nous aurons à peu près setup tout ce qu'il faut pour pouvoir partir tranquillement dans l'espace. Un digital miner pour pouvoir éviter de farmer comme un gros porc tout le temps, et en fait c'est surtout ça, le digital miner c'est vraiment à mon avis c'est la vie, c'est ce qu'il faut que je fasse en tout premier. Donc où est-ce que j'en étais dans mon craft du digital miner? Alors oui, j'ai mon stuff ici, mais bon, on devrait pas sortir. Il ne devrait pas y avoir de raison que je sorte d'ici parce qu'on va faire que du crafting et du blabla. La dernière fois, il y a quand même un creeper qui m'est tombé dessus. Donc je sais pas si je devrais fermer, mais je suis un peu inquiété parce que j'avais fini ma base et boum, il y a un creeper qui m'est tombé dessus qui a explosé. J'ai cru que c'était genre un troll, tu vois. Au bout de 2 heures de stream, tu dis allez, on y va, on se casse. C'est bien ce qu'on a fait et BAM! Il y a un creeper qui explose. Enfin bref. Donc mon digital miner, il va falloir que je recrée un Wally. Digital miner, dedans, il va me falloir donc 2 atomic alloy. Et un basic control circuit, ça je les ai déjà. Les logisticals, c'est avec des pistons et de l'iron. Donc ça je les ai pas, mais c'est pas trop compliqué à faire. Le steel casing, j'en ai un ou deux en rab, je crois. Et après, là le problème c'est que je vais devoir refaire des atomic alloy. Parce que clairement, je sais plus combien, je crois que j'en ai 3. Attendez, on va prendre tout ce qu'il nous faut sur nous. Là, le stuff, on va le mettre là pour le moment. Hop, ça je garde mon basic storage ici. Ah oui, la steel dust. J'ai complètement zappé de la mettre à fondre. Donc du coup, les atomic alloy, on va en avoir besoin. On va avoir besoin de basic control circuit, ça c'est sûr. Ok, là on écoute. On va avoir besoin de renforcer de l'oeil parce qu'il va falloir que je refasse des atomic alloy. Et donc du coup, on va avoir besoin d'enrichir de l'oeil. On va faire des renforcés de l'oeil, on va faire des... Ok, d'accord. Ensuite, un steel casing. Paf. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? Du steel ingot. Ah, un atomic alloy ici aussi, merde. Du refine obsidian, est-ce que j'en ai du refine obsidian? Ah, j'en ai un. Ok. J'ai de l'obsidian dust. Il faut que je fasse de... non, c'était pas la bonne touche. Du coup, je passe ça. Et ça, ça se fait comment? Donc, dans le spion compressor, il m'en faut juste un. Hein.
Parce que le compresseur, je mets du Refined Obsidian Dust et de l'Osmium Implant. Ok, est-ce qu'il est mon. Parce que le compresseur, il est là. Attendez, j'ai dit la merde. Clac, clac. Crafting. Et Refined. Et Refined, c'est avec de la Diamond Dust. Ah oui, bon, d'accord. Alors, il faut que je commence par la Diamond Dust. Combien il me faut de diamants sans les casser? Il m'en faut 1, 2. Il m'en faut 2. J'avais pas besoin ailleurs. J'avais besoin ici, mais de toute manière je dois faire de la refine obsidian dust dans tous les cas. Donc diamond dust, j'ai de l'obsidian dust ici, c'est magnifique. Et du diamant, bah je pense que je vais en écouler 6 pour le moment. Parce que j'en ai toujours pas masse, hein. Je suis toujours en PLS de diamant, les gars, cherchez pas. Hein. C'est je comprends pas. J'espère que le Digital Miner justement va pouvoir bien m'aider à récupérer ce que je veux en diamant parce que c'est la PLS. Mais après je suis pas sûr que j'en ai extrêmement besoin. Dans Galactic Craft. Dommage, j'aurais bien voulu avoir un bébé poulet dans la base. Ici ça marche. Alors du coup il m'en faudra un de style de toute manière. Donc je le prends. Je vais prendre les autres aussi. Clac. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Ça c'est bon. Ça, je peux faire des pistons. Pistons, donc stone, bois, iron, tout ça, bois. Stone, iron, redstone, c'est de l'iron ça? Non c'est du tin, qu'est-ce que je fais? Iron, je prends un peu plus, non ça ça doit suffire. Hop là, donc un piston il m'en faut deux. C'est genre le mec qui sait même plus faire des pistons quoi, on en est là. Ah c'est de la cobble, oh lolo, moi j'ai de la stone, je suis un mec évolué vous voyez. Hop, alors si je me souviens bien, paf paf. Paf, paf, paf. Ok, moi il m'en faut juste deux, donc on peut se détendre en vrai. Nickel. Ensuite, ça c'était good. Il faut que je les mette dans quoi? Ah, faut que je les entoure d'iron. Donc il y a encore un peu plus d'iron. Paf. Iron. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ah voilà. Ça il m'en faut un. Et il m'en faut un deuxième. Ils sont pas cumulables, c'est pas grave, ils sont pas stackables. Donc ça on l'a, ça on l'a. Il me fallait un de style, pour le moment je l'ai. Il me faut 3 atomic alloy. Enfin il m'en faut 2, je les ai. Où est-ce que je... Après qu'est-ce que je fais? Bah je vais faire mon refine obsidian. On était là-dessus. Je suis encore perdu hein, les gars, je suis vraiment désolé. Mais c'est pas encore ça, qu'est-ce que j'allais faire comme bêtise moi encore. Donc diamond dust. Paf. Obsidian dust, paf. Normalement, on aura ce qu'il faut. Attends, il m'en faut combien de la diamond? Il m'en faut qu'une, je crois. Non, il m'en faut un peu plus. Ah, j'aurais. Est-ce que je vais être en PLS de diamant? J'ai un doute. J'ai un doute sur si je vais être en PLS de diamant ou pas. Il m'en faut 2. Il m'en faut 4. Attends, je suis en train de calculer. Je crois qu'il m'en faut 5. Ok, il m'en faut 5, donc je peux en faire 2 de plus. Alors peut-être que là ça suffit. Attendez, je suis en train de réfléchir parce qu'il faut que je fasse mes renforce l'œil, il m'en manque 3. Donc déjà, j'en mets 2 comme ça. Oh, dites-moi pas que je vais être en PLS de diamant, s'il vous plaît! Je vous en supplie. Ah oui! Je vous l'ai pas dit, mais dans le live aussi, bah du coup, je me suis crafté un Atomic Disassembler, j'avais plus du tout le nom. Et c'est vachement pratique. Bon, alors ça consomme beaucoup d'énergie, mais c'est vachement pratique. Donc mes 3 refins soloïdes, je les ai. Ok, il faut que je les transforme en atomique. Mais ici, il m'en faut un autre. Ah, mais il m'en faut combien du coup? 1, 2, 3. Non, c'est bon. Oui, et là, il me faut du refine. C'est tout, dans l'osmium compressor. Donc de l'osmium. Et du refined. J'en mets un. Ah, il m'en restait un peu d'osmium, nickel. Je pense pas que ça suffira. Donc, je vais en rajouter un peu. Clac. Voilà. Nickel. Ça, on a nos 2 comme ça. Ça, c'était pour faire le robit. Donc, on va se faire le robit en premier. Personal chest, ça se fait avec des chests et du stilingot et du verre. Ok. Alors, du stilingot. Paf.
Des chests. Est-ce que j'en ai encore des chests? J'en ai un, mais il m'en faut deux. Je vais en refaire, c'est pas grave. Ça, on n'est pas vraiment à court de chests. C'est pas très important. Ok, et les énergies tablettes avec du gold. Il me manque juste du gold dans mon inventaire pour le faire. Paf. Énergie tablette, clac, clac, clac. Un. Clac. Ouais, pour moi, ça va plus vite de le faire comme ça que de les mettre dans le... à l'intérieur de la table de craft. Donc ça, on est good. Il me faut ça. Ah, il me manque juste le verre. J'en avais du verre à un endroit. J'en ai là, parfait. Qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'il me faudrait un inventaire 10 fois plus grand. Hop, un personal chest, c'est bon. Et le frère de Robit, il est fait. Donc on a notre Robit, c'est bon. Ensuite, les deux Atomical Oil, on les a, ils sont là. Les deux logisticales, on les a, ils sont là. Je vais mettre tout ça ici parce que on va essayer de faire un truc un minimum. Je vais essayer de me perdre un peu moins que ce que je me perds d'habitude. Ok. Qu'est-ce qui me manque? Le basic control, je l'ai ici. Voilà. Ah oui, c'est steel case. Voilà, c'est steel case. Steel casing, je l'ai là. Et il me manque. Bah, du coup, je crois qu'il me manque que les deux téléportations corps. Et donc, il me faut deux atomic alloy. Ok, d'accord, il faut que je fasse 4 Atomic Alloy. Ok. Je les ai pris déjà ici. Ok, donc il faut que je fasse 2 autres Atomic Alloy. Donc ça va me coûter. Ça va me coûter 2 autres diamants. Ouh là là! Ah non, 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 non! Tu fais du caca, Tech! Ils sont là, tes Atomic Alloy. Oh là là! J'ai failli tuer mes diamants encore une fois, tellement bêtement! Ils sont ici. Donc du coup, ça, paf, ça se fait avec du refinite de bidule. Et le refinite, j'en ai 3. Donc il m'en faut juste 2. C'est parfait ça, est-ce qu'on voit... est-ce que j'aurais bien calculé? Non, c'est impossible que j'ai bien calculé tout ça. C'est impossible. Lapis lazuli, diamant. Bah normalement c'est bon en fait. Il va me rester 3 diamants encore, comme la dernière fois. Genre j'arrive à faire tout... En mode, il me reste 3 diamants, je peux me faire une pioche, lol. Donc du coup, ça, Atomic on est bon, logistique on est bon. Les deux autres, je pense qu'ils sont faits. Donc je pense qu'il va y avoir une... Je vais me mettre là, parce que j'aimerais pas qu'elle me tombe dessus, cette salope de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Maquez pas ça là, détendez-vous, hein. Et donc ça, il me faut diamant, gold et lapis. Lapis, j'en ai, paf paf, du diamant, j'en ai, j'ai du prix, et du lapis, et je me répète, on les a, donc 1, et 2, et merde, non, il me manque quand même 2 atomic alloy, ah, je suis con, bah, du coup, il me restera encore moins, attendez, parce que du coup, il faut que je fasse un refine. J'en ai un, il faut que j'en fasse un autre. Donc, il me faut un diamant pour le faire. Et après, il faut que je refasse une ref. Oh putain, fais chier. Il me restera un diamant tout court. Oh, le diamant de la vie, les gars. J'espère que ça va pas me demander de diamant après. Parce que sinon, je vais être en PLS. Ah, la workbench, je crois qu'il faut un diamant aussi. Oh, la PLS, oh, la PLS, la PLS. Je refais du diamant dust. Après, je vais redevenir un professionnel des mods, vous allez voir. Mouah. En fait, j'ai jamais été fort, hein. Genre, croyez pas. C'est jamais arrivé. Ça c'est good. Et du coup ces deux là. Non. Oh là là, je voulais me faire une bêtise. Mon ordre de richesse de l'œil. Copper en bronze avec du team. Oh, intéressant. Clac. Les deux ici. On reprend ces deux là. Et on les transforme en atomic alloy. Et on aura notre digital miner. J'espère que j'aurai assez de place pour le mettre là où je veux. J'aimerais le mettre ici. J'ai peur de peut-être pas avoir assez. Bon, on se fait une place comme ça, on arrangera le truc plus tard. Hein. Donc ça c'est good. Donc maintenant je peux créer mon digital miner. Ah oui. Ah mais non. Ah oui, ça fait du bien. Ah oui. Digital miner. Ah oui. Il prend le... tellement plus de place que ce que je pensais. Alors du coup on va agrandir
Ah merde. Voilà. Attendez, on va recouvrir là-haut parce que sinon je vais avoir des araignées et des creepers qui vont me tomber sur la gueule. Ouais, voilà. Alors maintenant, Wally, viens là. Je vais mettre ton gros copain robot. Lui, il est un professionnel. Boum. Ok, nickel. Ici, c'est un peu Bagdad au niveau des câbles, mais ça, j'ai toujours été très nul en câblage. Donc, vous plaignez pas. Wally, viens là, viens là. Wesh! Viens là, Wally, merci. Ça m'a rendu qu'un? Ah, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait les casser. Débilos, va. Donc là, j'ai une entrée, là, j'ai une entrée, là, j'ai une sortie. Ok. Donc, du coup, je vais installer tout ça. Paf. Je pense qu'il me reste des câbles ici. Paf. Ah non, il est en dessous l'autre. Ah, le bâtard. Ah, ben je t'abandonne. Paf. Ah, ça peut alimenter en étant juste là aussi. Est-ce qu'il est alimenté? Ah, ouais, il a l'air d'être alimenté. Ok, donc comment ça remarche ce digital miner? Il faut que je re-regarde ça. Le guide de l'installation. Wally, sors-moi le guide de l'installation du Digital Miner, qu'on regarde ça. Bon, alors, du coup, j'ai regardé, j'ai configuré pour que ça soit directement sur tous les minerais qui existent. Donc, que ça soit de l'iron, du tin, du coal, du copper. Mais je pense qu'on en aura pas mal. Je pense qu'on aura vraiment, vraiment pas mal en double. Je vais foutre de l'iron chest. Je vais me foutre mon iron chest, je pense. Là, lui, je vais le prendre un paf. Je vais le mettre derrière, je vais peut-être en mettre deux même, je pense, parce que sinon je vais peut-être être un peu en galère. Mon iron chest, comment il se prend? C'est avec juste un chest, ok d'accord. Plus con, tu meurs, et de l'iron, et vu ce que ça va me récupérer en iron, normalement je devrais être vraiment super bien. Je viens de faire n'importe quoi là. Clac, 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 hop. On va se mettre juste un iron chest. On va s'en mettre deux. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Je vais mettre ça au cul pour le moment. Genre sans prise de tête. On va se mettre ça. On va se mettre ça là. Et là. Nickel. Je vais faire. C'est des circuits. C'est quoi? C'est des. Circuits, je suppose. Non, c'est pas des. C'est des cables. Et c'est lesquels de cables qu'il me faut? Comme câble. C'est quoi les câbles qui permettent d'éjecter ce qu'il faut? What the fuck, j'en ai utilisé tellement dans ma vie et je m'en souviens pas. Ah, c'est par là. Basique quelque chose. C'est sûr que c'est basique quelque chose. Basique. Basique mechanical pipe, basic pressure pipe, logistical. Merde, je me souviens plus ce que ça fait. Item bloc. Ah bah voilà. Comme ça, c'est bon. Donc c'est ça qu'il me faut. Il me faut juste basic control circuit avec du steel ingot. Ok. Je m'en occupe de suite. Basic control circuit. Bam. Steel ingot. Bam. Comme ça. Ça va nous récolter ça comme on veut. Ok, donc ça on est good. Je mets en place du coup le système qui va pouvoir tout récupérer. Voilà, merci. Paf. Ça va aller là. Ça va aller là. Je suppose qu'il faut juste que je configure la sortie. Est-ce que, là, est-ce que je devrais avoir assez? Bon, je suis même pas sûr d'avoir assez. Non. Reset, skill touch, non. Visual off, visual on. Auto-éject, bam. Est-ce que ça me l'éjecte? Parfait, c'est pas beau ça? Incroyable! J'adore ma vie. J'adore. Est-ce que ça tient au niveau de... Bon, au niveau de l'énergie, j'ai l'air d'être bien, hein. Ouais, c'est nickel. Je mettrai pas d'upgrade pour le moment. Ah, je crois que j'ai une speed upgrade qui traîne. J'en ai une là. Nickel. Je vais mettre une speed upgrade, mais j'ai peur que ça consomme vachement beaucoup. Une, normalement, ça devrait aller. Est-ce que ça va un peu plus vite? 92. 91. Ouais, ça va un peu plus vite, c'est cool. Donc, maintenant que ça c'est en place et qu'on va pouvoir être tranquille au niveau des minerais, on va s'occuper de faire notre workbench. Workbench. Donc, qui va nous permettre à apprendre tous les plans. C'est celle-ci, la NASA Workbench. Elle n'est pas très très compliquée à faire. Il nous faut du compressed steel qui se fait dans un compresseur avec du steel. Donc ça, ça devrait aller. Je sais pas si j'ai mis mon compresseur en place.
Non, je ne l'ai pas mis en place mon compresseur. Et d'ailleurs, je crois que le compresseur il marche pas. Je crois que je peux le foutre un peu n'importe où. Parce que c'est pas un. Il marche pas à la. Comment ça s'appelle? Voilà, il marche au charbon. D'ailleurs, bah tiens, il y a du charbon ici, je le récupère direct. On met ça dedans. Et il nous faut du steel. Là, j'en ai quand même pas mal. Combien il m'en faut de compresseur? Il m'en faut 4? Ok, donc juste 8 steel, ça ira. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4. Parfait, le compresseur il tourne. Ensuite, il nous faut un advanced wafer. Ça se fait avec quoi? Ah, ça se fait avec un circuit fabricateur, d'accord. Donc il faut que je me fasse un petit circuit fabricateur dans tous les cas. Ah! Et ça me prend un diamant, merde! Le dernier diamant! The last diamond! Ah là 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 là. Du coup. Le circuit fabricateur, ça se fait avec des boutons. Alors, je crois que c'est les boutons où j'ai le plus de mal à savoir comment on fait. Les boutons, c'est bon. De l'aluminium ingot, je peux en avoir par ici. C'est quoi ça, du tin? De l'aluminium ingot, j'en ai ici. Parfait, merci Galactic Craft. Un levier, ça se fait avec de la cobblestone et un stick. Je dois avoir de la cobblestone et un stick, c'est faisable aussi. Et ensuite, redstone torch et aluminium wire. Redstone et aluminium wire, j'en ai là. Parfait! Donc, craftons cette merde. Levier, bam, bam. Ensuite, on avait quoi? Aluminium wire, je les ai. Boutons, bam. Je suis vraiment un teubé, quoi. Redstone torche, je sais pas combien il nous en faut. Je vais en faire un peu d'avance. Et un four. Normalement, j'ai des fours qui traînent ici qui servent à rien. On les prend, on les met là-dedans et on a notre circuit fabricateur. Est-ce que j'ai encore un endroit où je peux le brancher, mon circuit fabricateur? Mon circuit fabricateur, je pense que je peux pas le brancher à un endroit. On va le mettre là pour le moment. De toute façon, c'est moche, on a compris. Est-ce que tu te remplis en électricité? Non. Je pense que je l'ai pas du tout mis là où il fallait. Si je te mets là. Tu te remplis en électricité? Bah non plus, parce que je suppose que t'as une sortie électrique à un endroit. Non! Pourquoi il a fallu que tu... Oh putain. Quelle heure pour sortir? Aïe aïe aïe. Non, Wally, viens pas ici. C'est trop galère pour sortir ensuite. Hop là. Voilà. Donc, je vais tirer un câble à l'arrache, hein. Gaffe, ce circuit fabricateur de merde. Ah ouais, il est là le truc en plus. Oh, d'accord. On va se le mettre. On va se le mettre ici. On va se tirer un câble là. Paf. Là. Je prends mon Universal Cable. Bim, bim. Bim. Et. Bim. Voilà. On a de l'énergie. Maintenant, il nous faut du raw silicone. J'ai vu qu'il y en avait deux ici. Il nous faut un diamant. Notre dernier diamant. Voilà. Donc un diamant. Paf. Dur aussi comme paf, paf. Attends, je vais mettre mon diamant à la fin parce que j'ai pas envie. De la redstone. Paf. Paf. Ok. Et il me fallait quoi d'autre? Je crois que c'était un repeater qu'il fallait que je claque. Un repeater. Ça se fait avec. De la. Putain, mais c'est incroyable, genre. Je suis là en mode. Alors, ça se fait avec quoi, Repeater? Cet homme. Tuez-le, merde. Paf. Paf. D'ailleurs, je crois que je vais me tromper, c'est paf. Paf. Et paf. Repeater. Bam. Nickel. Le Repeater. Il va le déder. Et là, on met le diamant. Oui! Progression! Fais-nous notre workbench! Je vais faire de la place. Alors, la workbench, ça sera dans la chambre pour le moment. Hein. J'annonce. Bon, Wally, t'es vraiment en mode suivi tout le temps. Tiens, mets-toi un peu là et arrête de me suivre. Ok. Compressed seal, on les a. Advanced wafer, on l'a. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Des leviers. Hop. Des leviers. Bam. Bam. Bam.
Bam. Bam, des leviers. Paf, paf. Et je pense que nous sommes good. Ah non, une table de craft. Une table de craft, j'en ai pas envie en rab là. Ok, bon, c'est pas grave, je craft ma table de craft. Sans pression, ne vous inquiétez pas. Clac, 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 clac. Je viens de. Non mais alors, t'es. Tech. Mais tech? Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Putain. Hop, hop. La NASA Workbench, elle est là. Elle est belle. En plus, je kiffe ce truc, la NASA Workbench, elle est vraiment. Regardez-moi ça. Oh, c'est stylé, à côté de mon lit pour dormir. Regardez, voilà, on dort tranquille. Et on a la NASA Workbench juste à côté. Du coup, là-dessus, on est bon. On va regarder un peu. Ici, ça marche très bien, je suis content d'ailleurs. Du coup, ça m'a sorti quoi là un peu? De l'iron. Pourquoi ils se mettent pas ensemble? C'est quoi les bails? On a des diamants! Oh god! Genre le truc en 5 minutes, il a trouvé plus de diamants que moi en 12 épisodes. C'est what the fuck? C'est incroyable. Donc ensuite, nous, la semaine prochaine, donc samedi à 14h, il y aura la vidéo. Donc les vidéos Galacticraft, les gars, c'est samedi à 14h. Cette semaine, j'ai pas eu le temps d'en faire une vraiment poussée, etc. Donc j'en suis désolé, c'est pour ça qu'on se fait le petit digital mineur, la NASA Workbench pour pouvoir commencer à crafter notre première roquette. Donc ça va être cool. Et enfin notre première fusée. Et du coup voilà, digital miner, maintenant ça c'est fait, ça va nous suivre tout le long de l'aventure. C'est quand même important de les faire, donc c'est important je trouve de les montrer en épisode. Donc voilà, c'était un petit épisode pour montrer ces deux créations qui vont vraiment nous être utiles pour la suite de l'aventure. Donc aujourd'hui, on est dimanche, oui, je sais. Mais les Galacticraft épisodes, ce sera les samedis à 14h sur la chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner, pensez à liker, pensez à tout ça. Vous savez que ça me fait énormément plaisir de revenir. Chaque like compte dans mon plaisir personnel. Je vous avoue que ça me touche énormément. Enfin bref, les lives de mardi à samedi à 18h, le lien est dans la description. Ça se passe sur Twitch si vous voulez un peu plus de gaming et si vous n'avez pas envie d'attendre que ça sorte sur YouTube, eh bien, je vous donne rendez-vous en live du mardi au samedi à 18h. Et Galacticraft se passe le samedi à 18h en live aussi. Wally, est-ce que tu as de la promotion à faire? Parce que là, je viens d'en faire un bon paquet, mon gars. Laisse tomber. Si t'as un truc à dire, vas-y, fais-le. Ok, il est toujours aussi silencieux. Hein. De toute façon, je pense que tant qu'on sera pas dans l'espace, Wally il est déprimé. Hein. Regardez ses petits yeux, il a des petits yeux déprimés là. Votre... On n'est pas dans l'espace encore. Moi, je veux le boude. Voilà. Bon bah, il boude. pourquoi tu boudes, mon gars? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Ah, il y avait peut-être un petit truc qu'on pouvait rajouter pour la décoration. Je vais voir de suite si ça se fait ou pas. C'était comment on dit? Écran, c'est screen. Voilà, moi c'était celui-là, le display screen que je trouvais cool. Ah, ça se fait avec des basic wafers, donc on est baisé, il faut du diamant à l'infini. Parce que ça te fait un écran que tu peux poser ici par exemple, pour qu'on pourra, bah, pour qu'on pourra prendre avec nous. Et qui nous donne les infos sur le système solaire, où est-ce qu'on est, et tout. Enfin, c'est vraiment pas mal à crafter, et ça fait un peu de déco. C'est marrant, il y a marqué Elozer de partout. Ça, bah je vais le laisser tourner, hein. On va pas se déconnecter maintenant, hein. Il y a des minerais qui arrivent, c'est la fin de la pauvreté. C'est le début de l'aventure spatiale, c'est le début de la concrétisation de la chose que nous attendons tous depuis 4 ans, que Tech aille enfin dans la Lune, et plus, si possible! Enfin bref, donc les gars, pensez à lâcher un pouce bleu, pensez à vous abonner. On se retrouve samedi à 14h pour la suite de Galacticraft, et du mardi au samedi à 18h pour les lives, les liens dans la description sur Twitch. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que... Non, Wally, il est décédé, il a plus rien à dire. T'as plus rien à dire, Wally, hein. Tu veux qu'on se tape, Wally? Est-ce que tu veux qu'on se tape? Est-ce que tu veux qu'on se fight? Est-ce que tu veux qu'on se fight? Allez, des bisous, bye bye!